Et bonjour à tous. Alors, comme vous avez vu, aujourd'hui, je n'ai pas oublié la truelle. Non, ça, c'est une langue de chat. La truelle est là-bas. Bon, comme vous avez vu, là, il y en a un qui est déjà en train d'essayer de se sauver. Et le deuxième, il prépare le béton. Ah ouais, les bébés! Vous dites bonjour? Bonjour, bonjour! Bon, ça va quand même être plus simple à la bétonnière. On va terminer ce plan-là parce que Prison Break 1 et Prison Break 2, ils sont déjà en train d'essayer de se barrer. On a fait aussi une petite porte pour qu'on puisse les mettre dehors, pour qu'on puisse quand même les surveiller. Ah ouais, parce que les deux là, c'est des fugueurs. T'es un vilain. Allez, nous on va bosser un petit peu. Comme vous avez vu, je suis en train de monter un mur pour condamner la partie extérieure de la cave. Dans tous les cas, on l'utilisera plus, vu que j'ai l'accès là-bas. Bon, normalement, c'est 5 rangées par jour. Bon, là, j'en fais 7, c'est pas bien, mais bon, ça reste un mur que. Il n'y aura rien dessus, et derrière, ça va être rempli de gravats et de béton. Donc, vous avez vu, j'ai mis des grosses, grosses tiges en fer comme ça pour qu'ils tiennent. Normalement. Il devrait tenir, normalement il devrait tenir. Parce que... Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter le reste de parpaing ici pour moi demain. Parce que là aujourd'hui je maçonne plus, hein, comme je vous ai dit, 7, 5 rangées normalement, pas plus. Donc là j'en ai fait 7 pour pouvoir incorporer les ferrailles correctement. Donc là on met les parpaings par terre. Comme ça après moi je remonte et puis on va attaquer un petit peu en haut. Et finir, vous savez, le mur de dehors. Il reste plus qu'une petite brique à mettre en haut avec le reste de ciment. On va faire ça. Vous avez vu, je me suis mis ma petite lumière. Je vais devoir la récupérer. Hop, allez, on continue nous. La vidéo que je me ferai. C'est vrai? Mais non, mais je vais arrête 2 secondes. Donc là, Déborah est en train d'enlever le plâtre qu'il y a sur le mur. Parce qu'en fait, ici, ça va être une grande porte vitrée. En fait, ici, là, alors, pour vous donner une idée, ici, on est dans une chambre et on veut faire une porte vitrée qui va vers le terrain parce qu'on trouve ça stylé. Du coup, on va se reprendre ici, ouvrir ici et faire une porte vitrée comme ça. Le souci, c'est qu'après, je vous montrerai dehors si je peux faire le tour. C'est qu'on va devoir abattre le mur qui est juste ici et le faire à peu près 1 mètre plus loin. Parce que là, la porte vitrée, elle passe pas en fait. Elle arriverait tout pile ici. Et une porte vitrée collée à un mur, bah, c'est nul en fait. Du coup, le mur là, on va l'abattre. Encore des gravats. Et on va le refaire 1 mètre plus loin. Par contre, pas besoin de refaire les fondations parce qu'en fait, c'est les fondations de la cave. Et on a juste à venir se reposer sur les fondations existantes. Tout simplement. Bon, allez, moi je vais aller finir le petit truc qui est. Il me reste plus que ça à faire là. C'est l'équivalent d'une brique, je vous montre. Désolé, hein, pour le bip bip, c'est ma pompe qui est pas contente. Donc ouais, toi tu peux rattaquer, puis on va te mettre en timelapse. C'est parti!
Du coup, bon, j'ai plus assez de ciment pour finir, mais bon, je finirai demain. Dans tous les cas, là, vous pouvez y aller. Et le mur, il bouge plus. Hein. J'ai tapé dedans et tout. Il est bien scellé. Donc, même s'il essaye de passer par le haut, il faut vraiment qu'il passe au-dessus. Il faut être motivé vu la merde qui est derrière. Bon, on a fait un coup de propre ici aussi. On va acheter le bois de merde. On va en profiter. En repartant, on va passer à déchetterie. Jeter tout ce qui est acheté. Bon, on a aussi fait un gros coup de propre ici. Donc là, on a fait tout le mur pour voir ce qui se passait derrière. On a tout mis en sac. On a fait un bon coup de propre ici. On a tout débarrassé ce qui était ici. Bon, tout ce qui est ça, c'est bon, un petit peu de brin, de ferraille. Mais bon, ça partira à la benne ce week-end. Donc là, c'est le bois qu'on va reprendre parce qu'il restait un petit peu de place dans la remorque. On va. Pour prendre les chiens aussi. Les chiens? Non, on les laisse ici. Les chiens, c'est mes chiens de garde. Ah ouais, les bébés! Du coup, voilà, donc là on a préparé, j'ai trouvé ça derrière, comme ça je pourrais mettre mon ciment dedans pour aller à la cave, ce sera plus simple. Du coup, Débo, on fait ça, tu fais ça maintenant alors ou pas? Ah, t'as tout rangé? Ah ouais, toi je t'ai dit on y va, toi t'es déjà parti toi. T'es déter à partir. Bon, du coup, c'est une fin de vidéo. Bah ouais, je pensais que. Bah je sais pas, moi, comme tu m'as dit que t'allais faire ça. Et je me suis dit, elle va. C'est pour ça que j'avais débarrassé moi de base. Bon, sinon, c'est pas grave, pour la prochaine fois, au moins ça sera déjà débarrassé pour la prochaine fois. Ouais, comme ça, il faudra juste bouger la porte. Ouais, juste ça, bouger. Mais bon, là, de toute façon, normalement, ici, comme vous voyez, ça risque pas de mettre longtemps à tomber. Contrairement à là-bas, c'était vraiment bien collé. Hein. Normalement. Normalement, mais normalement, ça s'en va la main des bourganes. Normalement, t'as beaucoup de poids toi dans ta vie, donc. Ouais, on verra bien, on verra bien. Parce que regarde, là, ça tient sur rien. Ouais, Tu enfin crois que bref. les bébés, t'en auras plus aussi. On verra bien demain. Au revoir, j'en avais marre. Tu dis au revoir, Débo? C'est quoi que tu dis d'habitude? Tu dis au revoir. Bah, au revoir. Bah putain, t'as eu du mal à le sortir. Bah non, mais Hein. je voulais faire comme quand tu dis avec la voiture. Bonjour. Bon, allez, nous, on vous laisse ici. On va décharger le reste à la déchetterie. On se retrouve peut-être demain. Hein? Bon, t'as fait ce remorque quand même de déchets qu'on va faire. J'ai montré par la fenêtre. Mais oui, regardez. La remorque, elle est pleine. On peut encore en mettre un petit peu. Du coup, on va en profiter. Bon, allez, du coup, je refais ma fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si elle te plaît. Tu mets un pouce et un commentaire pour nous aider à développer la chaîne et tout ce qui s'ensuit. Sur ce, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!